magazine vous est offert par OneXBeat, fiable, sûr et sécurisé. Mesdames et messieurs amoureux des sports, bonsoir. Merci de suivre ce nouveau numéro de Digital Sport en direct de Digital Congo Télévision. L'actualité sportive ce soir, d'abord les éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les hostilités ont été lancées sur le continent ou viennent même d'être lancées parce que c'est aujourd'hui placé dans le groupe H. Ces éliminatoires, la République démocratique du Congo entre en liste le vendredi prochain. Ce sera à domicile au stade de Martyr, donc ici à Kinshasa, face au Sili National, l'équipe nationale de la Guinée. Les Léopards, vous allez le voir, ils se préparent intensément ici à Kinshasa. Ils venaient de s'entraîner pour la troisième fois, la deuxième. En la seule journée d'aujourd'hui, séance d'entraînement au stade des Martyrs, le groupe au complet pour la République démocratique du Congo. Le groupe, tous les 25 joueurs convoqués par Sébastien Desabre sont bel et bien dans la capitale congolaise. Donc, alors la République démocratique du Congo veut entamer de la plus belle de manière ces éliminatoires pour éviter le doute qui s'était installé lors de la dernière campagne des éliminatoires en vue de la qualification pour la CAN qui s'était jouée en Côte d'Ivoire. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Sébastien Desabre, le sélectionneur français des Léopards de la République démocratique du Congo. C'est vrai que c'est une nouvelle compétition qui va se jouer en tout cas en deux parties, les qualifications qui vont se faire en trois mois en fait. Donc nous, on aborde comme une compétition, toutes les équipes sont sur la même pied d'égalité et qu'il faut bien aborder ce premier match pour être bien lancé dans la qualification. On a fait du travail depuis 2 ans, donc on a progressé. Après, non, je pense pas qu'on soit favori. En tout cas, nous, ce qui va nous intéresser, c'est déjà sur cette partie de qualification-là, de faire mieux que ce qu'on avait fait la dernière fois. Vous rappelez-vous que quand j'étais arrivé, on avait dans cette campagne de qualification, on était dernier. Ce qu'on souhaite, c'est en tout cas mieux démarrer cette campagne-là que la RDC l'avait démarré. On a la chance qu'on est dans une forme de continuité aussi en termes d'effectifs, même s'il y a quelques nouveaux joueurs, il y a 2 nouveaux joueurs qui vont faire leur première sélection avec nous, mais le gros du noyau est là. C'est des joueurs qu'on suit depuis quelques temps, des jeunes joueurs, on en suit beaucoup parce qu'on a aussi un rôle de pouvoir être performant sur le point, on va dire, immédiatement, mais également aussi un travail d'anticipation à faire de génération. C'est des joueurs qu'on suit, qu'on est allé voir, qu'on a rencontré pour valider aussi l'état d'esprit. La Guinée, futur adversaire de la République démocratique du Congo, se prépare elle également et devrait arriver d'ici peu dans la capitale congolaise. La Guinée qui venait de connaître un changement, son entraîneur Kaba Diawara avait été limogé après les Jeux Olympiques récemment organisés à Paris. La Guinée était de la partie, donc la Guinée qui avait joué contre la République démocratique du Congo, vous allez vous souvenir, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations à l'étape de quart de finale, victoire de la République démocratique du Congo, 3-2. Et sur ces images, donc, la récente préparation du Sili National, c'était en Côte d'Ivoire, lieu de regroupement des Guinéens, avant de s'envoler pour la capitale congolaise. D'autres léopards, et cette fois les léopards karaté, donc les championnats d'Afrique de karaté qui ont débuté le lundi dernier. C'est seulement aujourd'hui que les léopards karaté ont laissé Kinshasa, direction Tunis, lieu de la compétition. Ce championnat d'Afrique de karaté qui ont débuté donc le lundi 2 septembre vont durer 1 semaine et vont se refermer donc le lundi 8 septembre prochain.
Des nouvelles à présent du championnat national de la Lina Foot. Ça se précise quant au début de ce championnat national. Le championnat devrait commencer en tout cas le week-end du 27, 28 et 29 septembre prochain pour la saison 2024-2025. C'est ce que venait de faire savoir la commission de gestion de la Lina Foot via une notification rendue publique aujourd'hui. Le calendrier quant à lui est attendu au plus tard le 12 septembre prochain. Et c'est sans doute une des équipes qualifiées pour la première division du championnat national de la Lina Foot. Le FC Tanganyika de Kalemi continue sa préparation. L'équipe basée à Kalemi a joué en amical hier face à l'AS Mwangaza d'Uvira, Uvira au sud Kivu. C'était en présence de son président et gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba. Le FC Tanganyika prévoit se rendre à Kinshasa pour finaliser sa préparation. Suivez. Après avoir livré quelques matchs amicaux contre le club de l'Entente Urbaine de Football de Kalemi, le FC Tanganyika a affronté ce mardi 3 septembre 2024 au stade Joseph Kabila Kabangé, l'association sportive Mwangaza. Match auquel a pris part, comme toujours, le nouvel homme fort du football congolais, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba. Ce sont les Ouvirois qui ont été les premiers à ouvrir le score sur une action du coup de pied arrêté. 1-0, score à la mi-temps pour l'AS Mwangaza. Dans le vestiaire, le coach Saber Benjabria donne plusieurs consignes à ses joueurs et le gouverneur Christian Kitungwa Muteba, lui, remonte le moral de ses joueurs. Consigne respectée, car la deuxième période est devenue toute différente, largement dominée par le FC Tanganyika, qui parvient même à trouver l'égalisation grâce à Sarkozy Plamedi. Un but partout, le FC Tanganyika multiplie les assauts, l'adversaire en panique. Mais le deuxième but ne sera pas trouvé. Avant la fin du match, le demi-finaliste de la 58e édition de la Coupe du Congo trouve un penalty. Sarkozy le loupe. Un but partout, score final. Quelques minutes après le match, le gouverneur Christian Kitungwa a invité tous les joueurs à son domicile. C'est lui qu'on surnomme affectueusement le Magufuli du Tanganyika. A donné des très bons conseils à ses joueurs. Il faut vous donner des objectifs. Si vous n'avez pas d'objectifs, si vous n'avez pas de vision, ça ne sert à rien de se réveiller le matin à aller faire un entraînement. Il faut renaître. Après un match nul, il faut renaître. Revenez dans votre cohésion. L'esprit d'équipe que je reconnais en vous. Il y a lieu de souligner que le FC Tanganyika ira finir sa phase de matchs amicaux à Kinshasa. Le club rouge et blanc de Kalemi quitte la ville. Déjà, c'est vendredi. Et puis des nouvelles du tournoi organisé à Kinshasa par le comité de normalisation de la Fédération Congolaise de Football Association pour permettre aux équipes congolaises engagées à l'interclub de la CAF d'avoir le niveau. Le FC Saint-Éloi-Lupopo venait de faire jeu égal de 1 but partout face à l'OC Renaissance. Un match joué au stade Tata Raphaël ici à Kinshasa. Lupopo était la première équipe à marquer avant de se faire rejoindre au score par l'OC Renaissance qui a égalisé sur un magnifique coup franc. À présent, le dossier est consacré à la 41e Coupe du Congo de basketball en cours à Kinshasa. Nous en sommes à l'étape de quart de finale. Ce sera décidément une journée triste pour le BC Lupopo, à la fois chez les dames tout comme chez les messieurs. Les deux équipes éliminées. Donc d'abord les dames qui ont été sorties par le BC Makomeno. Lupopo s'est incliné ici par 43-103 à score final. Alors que chez les messieurs, Lupopo a été sorti également par le BC Terreur de Kinshasa, 105-71, score final. Alors le chapitre des réactions en ce qui concerne les éliminations du BC Lupopo, d'abord chez les messieurs, c'est de la désolation. En tout cas, le BC Terreur de Kinshasa qui est une équipe expérimentée, mais le BC Lupopo espérait mieux dans cette compétition. Ouais, ça jouait aussi, ça jouait. Et c'est la Coupe du Congo et on jouait le quart de finale face à une très bonne équipe. Ils sont jeunes, ils sont rapides. Déjà, notre début n'était pas si bon. Et on est venu un peu en retard, on n'a pas eu le temps de se réchauffer. Et en entamant le match, c'est arrivé ce qui était arrivé, on ne fait rien. Ouais, là, c'est fini pour nous la Coupe du Congo. On a vu nos erreurs, on va rentrer à Lubumbashi. On va essayer encore d'arranger, de travailler encore mieux. Et la saison prochaine, on reviendra encore plus fort qu'avant.
ce qu'on peut faire ce soir. Déjà, ça me fait plaisir. Pour ma première fois à jouer à cette compétition, je suis arrivé à ce niveau et j'ai su m'intégrer grâce aux anciens ainsi que aux joueurs plus expérimentés qui nous ont aidés à nous emmener jusqu'à ce niveau ici. Mais oui, ça nous motive énormément vu que ce n'est pas la première fois que nous arrivons à ce niveau et la Coupe nous a échappé à plusieurs reprises. Et cette année, on est décidé à remporter ce titre. Après tant d'efforts, tant de souffrances, et cette fois-ci, j'espère que ça sera la bonne année pour nous. On a su se renforcer un peu plus dans la maturité ici que physiquement et mentalement aussi. En fait, tout vient d'une préparation en fait. Tout se prépare à l'avance. On savait qu'il y aurait des moments où on aura à faire face à des situations comme ça. Donc des matchs où ça sera dur, ça sera très physique. Alors on a préparé nos athlètes face à ça, mentalement et physiquement aussi. Virunga, c'est le tenant du titre. Beaucoup de respect. Onatra, c'est notre adversaire fétiche, je veux dire. C'est avec qui on a joué les trois finales de ces trois saisons. Donc je pense que les deux ne sont pas préférables. Ok, ça va être un match dur, sérieux, un match vraiment qu'on doit considérer parce que c'est des très bonnes équipes. Le titre, c'est notre ambition. Du coup, nous allons demander aux jeunes de jouer plus que, de donner plus qu'aujourd'hui, d'être beaucoup plus concentrés et en tout cas de bien jouer dans la tête pour aborder ces matchs-là parce que c'est des matchs qui sont très compliqués. L'autre quart de finale chez les dames a vu le BC Atari battre Black Panther 78 à 48 score final. Atari de Kinshasa contre Black Panther du Nord Kivu. Donc ici aussi, le Black Panther du Nord Kivu donc, on fait face à un apprentissage plutôt difficile. Le BC Atari, une des équipes expérimentées et le mieux titrée de la compétition, notamment depuis sa création. Suivez ses réactions. La défaite, c'est la défaite, mais il faut la prendre avec le même cœur que la victoire. Il ne faut pas trop se morfondre. Je suis fière de mon équipe, je suis fière de mes coachs. Je suis tellement reconnaissante de cette participation parce qu'on a fait preuve de beaucoup de courage et de bravoure. On a su se relever malgré tout, mais la défaite, c'est la défaite. Je suis fière et merci pour tout le monde qui nous a soutenus. Merci pour la province et merci pour tout le monde qui a cru en nous. Les ambitions prochaines de Black Panther, c'est d'arriver en finale. Et pourquoi pas gagner la Coupe du Congo, c'est notre ambition pour la prochaine fois. Il y a deux jours sans et deux jours avec. En tout cas, ce qui n'a pas marché, on va essayer de parler avec l'équipe pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais en tout cas, je suis fière de mon équipe. On a su faire preuve de bravoure et de courage et de collectivité. En tout cas, je suis trop fière de mon équipe. Je pense que pour l'année prochaine, on va essayer de faire mieux que cette année. C'est vrai, on voulait jouer la demi-finale, mais ça n'a pas marché. Et quand même, les filles se sont bien, elles se sont données à 100%. Donc, je ne regrette pas vraiment. Au basket, on apprend à perdre avec, on apprend la victoire et la défaite, perdre avec le même cœur. Donc, il faut prendre la défaite et la victoire avec le même cœur. Donc, on ne regrette pas trop. Je suis fier de l'équipe et je crois que l'année prochaine, on va faire mieux que cette année. L'attaque a été notre plus grand problème, mais on espère aussi que côté tactique, offensivement, il y a eu quelques problèmes. Défensivement aussi, on a eu pas mal d'erreurs et on espère qu'on va essayer d'améliorer tout ça. Chez les dames, le combinaison pour les demi-finales à suivre déjà ce jeudi au gymnase du Stade de Martyrs ici à Kinshasa. Le BC CNCS, l'équipe championne en titre, croisera le BC Atari et puis Chosport sera opposé à Makoumeno. Chez les messieurs, outre la victoire du BC Terreur de Kinshasa sur le BC Lupopo, on va noter la victoire du SCTP de Kinshasa sur le BC Virunga, 67 à 54 score final. Le BC Virunga, l'équipe championne en titre, donc, qui quitte la compétition à l'étape de quart de finale. L'aventure s'arrête donc pour l'équipe du Nord Kivu. Autre quart de finale, c'est entre Chosport et Tchem Tchem.
Et puis l'autre, c'était hier notamment SCTP Matadi contre le BC Mazembe. SCTP de Matadi a créé la surprise en battant le BC Mazembe 65 à 60 au score final. L'équipe de Matadi qui peut valider son ticket pour le demi-finale en remportant son match qui est sur le point de commencer même face à la formation de New Generation de Kinshasa. Ça fait mal, oui, pas très mal. Dans la vie, il y a deux résultats, surtout au basket, il n'y a jamais de match. Certes, on avait l'ambition de gagner, d'aller le plus loin possible. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Les raisons, je ne sais pas, les joueurs se sont peut-être mis la pression seuls. Vous avez le match, un sursaut d'orgueil, peut-être. Pensez que ce serait facile comme on apprend Matadi a perdu la plupart de ses matchs par des écarts un peu trop lourds. On pensait peut-être faire la même chose. Or, dans le sport, il faut toujours respecter l'adversaire. Voilà, aujourd'hui, nous l'avons payé cash. Le non-respect de l'adversaire nous a vraiment payé cash. Nous avons parlé à nos joueurs d'être plus calme parce que à la première période, nous avons joué plus sur la précipitation et nous avons conscientisé nos amis, nos joueurs d'être plus calmes, de jouer posé, de bien négocier notre jeu en transition, profiter des erreurs de la défense adverse ou plutôt l'attaque de la défense adverse pour bien négocier nos jeux en transition. Et c'est ce qui a permis que nous poussions et que nous arrivions à ce que nous avons eu à faire. Et l'équipe de New Gen est vraiment une équipe compacte. Nous allons chercher à faire quelque chose pour essayer de contre-attaquer ce que New Gen a le plus souvent l'habitude de faire. Donc nous allons vraiment chercher à bien négocier nos jeux en transition, surtout jouer sur la défense et surtout qu'ils ont aussi des tireurs. Et nous allons essayer de faire quelque chose pour empêcher ce que New Gen pourrait faire contre nous. Mesdames et messieurs, c'est ici la fin de ce numéro de Digital Sport en direct de Digital Congo Télévision. Infiniment merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert.